Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un artiste contemporain extraordinaire. Il s'agit de Levy Van Velu, 33 ans, une figure centrale de la jeune scène artistique néerlandaise. Son exposition se déroule au domaine de Kergeënec, dans le Morbihan, une installation inédite sur les 350 mètres carrés du premier étage du château. Alors pour sa première exposition en France, l'artiste nous réserve de très belles surprises. Êtes-vous prêt pour un voyage dans l'inconnu et dans l'irréel? Ici, vous allez être plongé dans la pénombre, dans l'obscurité totale, une déambulation dans un dédale de chambres obscures et de corridors sombres. Vous n'êtes plus dans un château, vous êtes dans une œuvre, plus de repères à la réalité, au temps qui passe ou à l'espace. Ici, il va falloir vous acclimater pour percevoir les œuvres. Certaines sont éblouissantes, d'autres très énigmatiques, toutes sensationnelles au sens premier du terme. Des bibelots noirs posés sur un couloir d'étagère, une pièce psychédélique qui nous fait perdre les notions de haut ou de bas, un réacteur de lumière hypnotique, une pièce qui pourrait s'apparenter à un bunker post-apocalyptique, une chapelle 3.0 aussi fascinante qu'étrange, ou encore une pièce remplie d'eau, ne laissant entrevoir que le dessus d'un bureau. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer ici, dans ce château classé, eh bien sachez que oui, c'est bien de la vraie eau qui envahit toute cette pièce. On vous avait promis du haut niveau, du très haut niveau, on ne vous avait pas menti, et en plus, c'est totalement gratuit.